Depuis la disparition de Zaziki et Bradley, tout va mal. Tout va mal sur notre terre. La France, sous un régime des plus communistes et des plus français, a pris le contrôle de l'entière population. Bonjour peuple français. Je suis le nouveau dictateur de la France, Amadou IV, du parti 4. La France n'a jamais été plus prospère depuis que je suis à sa tête. Malgré que mon prédécesseur ait fait chou blanc et qu'il ait pris des vessies pour des lanternes. Le patron l'a dit, on ne manquera pas de taf. T'entends? T'entends? Donc grâce à moi, les Français pètent dans la soie et chaque citoyen français a droit à son pain baguette. N'oubliez pas, mes chers concitoyens français, qu'ici, en France, tant que la France sera gouvernée par notre maître, le hockey est interdit. C'est un crime. Ici, c'est le football. Est-ce que tous les citoyens de la France vivent dans le luxe, comme le dit Amado? Est-ce que tous les citoyens pètent dans la soie? Je ne crois pas en voir certains. Papa! Pour Noël, je veux Noël capitaliste! Je suis tanné de la pauvreté! Mon fils! Écoute-moi bien, petit connard de merde! Tu vas arrêter de vous péter, petit connard! Les réserves de paix sont à sec, tu vois? J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pas étudié ses scripts! Non! Toi là, mon esti là! On dirait que tu sais pas aussi que l'histoire s'en va! Tu sais que ton cas dit tout de suite, ok? Hey là, toute forme ça, c'est téméraire! Oh mon fils, laisse-moi te donner la tête! Tabarnak! Bébé, je t'offrirai pour toi une Noël de tes rêves. Une Noël. J'ai besoin d'informations pour combattre le communisme! Oh! Bordel de fiantes! Mais, à ce qui paraît, on les a pas revus depuis le mois de mars!
mon empereur. Il y a un mecton qui veut démolir votre race. Il compte s'y prendre en ramenant Zeski et Bradley. Qui c'est qui? Un simple centaf qui héberge votre sang. Oh putain! Gros cachot! Cette poubelle-là, il y en a moins pour deux jours. Mais putain, c'est Jimmy! S'il y a une personne sur la Terre qui sait où Zeski et Bradley se trouvent, c'est certainement lui! Qu'est-ce que je peux faire, Jimmy? Je vais certainement détacher tes liens, mon cher Jimmy! Mais qu'est-ce qui se passe? Baguettes sont en spécial. Vite, Zeski, il faut aller péter un Mado. Mais putain, tu me donneras pas d'ordre, bordel, c'est moi la vedette de cette vidéo, ok? Je vais te péter la gueule. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas t'excuser. Non, certainement pas. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. Oh putain, je vais mettre un marron en pleine poire de ce putain d'Amado 4 là, il est cool, une putain d'armure et j'y vais, watch out Amado, j'arrive. Bordel, c'est Amado, il est trop puissant, je ne pourrais jamais le vaincre tout seul, il faudrait l'aide de Bradley. Mais attendez! Mais ça sent l'argent, le capitaliste! Mais putain, mais bordel, mais Bradley! Comment il va faire pour performer? Oh ouais, oh purée de bordel de cette Marie Madeleine de merde de petit Jésus! Jésus de merde, oh oui, oui. Je crois bien mes yeux, c'est Zeski! C'est mon pote Zeski! Oh ouais, t'as plein! Oh ouais! Allons-y, Montréal! Bordel, hein? Tu sens ce que je sens, Zeski? Ah oui, ça sent le. Ça sent le communiste ou par là, ça sent le français de merde. Français de merde. J'ai passé 3 années de ma vie dans ce bosquet. Au début, je me suis caché contre la dictature communiste et parce que je manquais de fixe. Et j'attendais le moment opportun pour sauter et surgir et devenir un héros. Mais finalement, j'ai commencé à stalker la famille qui habitait ici. Et finalement, j'appréciais bien cette vie jusqu'à temps qu'on vienne me sortir de ma caverne. On m'a sorti, on m'amène au soleil grâce à Zeski et le capitalisme, les vraies valeurs, l'argent, le commerce. T'entends? Pognon, l'oseille. Ok! Là, c'est la chambre d'Amado. Moi et Zeski, on va aller foutre la vraie du siècle. Et vous allez savoir ultime. En détail. Il faut absolument conquérir la Corée du Sud. I'm
Amado. Oui, c'est moi. On l'a eu à son propre petit jeu. Tu t'es fait avoir, mon maudit. Ce jeune blanc-bec, c'en est fini de ta petite dictature pis ton communiste de polisson. Ah oui? Zaziki, c'est le temps d'un ultime combo. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Le Zaziki, va de l'ultime combo. On va se rétablir en mangeant ce bon pain baguette là. Il a des pouvoirs assez spéciaux. Puis après ça, on va aller éliminer les derniers résistants communistes français. On va les trouver. Puis leur arracher la tête. Mes amis, maintenant on n'est plus obligé de parler avec des accents français parce qu'on a détruit les Français. Je suis fier de vous, on les a réduits à néant, exterminés jusqu'au dernier, coulés des litres de sang, communistes. Fait que c'est pas grave parce que 1000 communistes, pas grave, ça meurt. Maintenant on vit dans un empire des plus chrétiens, puis là on est guidé par les bonnes valeurs. J'ai une citation à faire. C'est comme dans l'histoire de la Bible, nommée le cœur dur de Caïn. Adam et Ève avaient deux fils, Caïn et Abel. Caïn, en grandissant, devint fermier. Il plantait du blé dans le champ. Abel, lui, fut berger. Il prenait soin des moutons. Caïn donna à Dieu du blé de ses champs. Mais il ne se souciait pas de plaire à Dieu. Il n'obéissait pas à Dieu. Alors Dieu n'accepta pas son offrande. Cela mit Caïn très en colère. Par contre, Abel désirait plaire à Dieu. Aussi donna-t-il à Dieu son meilleur mouton. Dieu fut content d'Abel. Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère? Je serais tout autant content de toi si tu changeais ton cœur. Caïn n'écouta pas. Il continua à mal faire. Un jour, il dit à Abel, « Allons nous promener vers le champ. » Abel accompagna donc son frère. Quand ils furent seuls, Caïn tua Abel. Dieu demanda, « Où est ton frère? » « Comment le saurais-je ? » répondit Caïn. « Dieu ne fut pas content. Tu devrais le savoir, puisque tu l'as tué. »
Maintenant, tu dois partir d'ici. Tu iras de lieu en lieu. Les graines que tu planteras ne pousseront plus jamais bien. Caïn fut triste, mais Dieu aussi. Caïn aurait dû s'arrêter de mal faire quand Dieu le lui avait conseillé. Verset à retenir, Dieu nous corrige pour notre propre intérêt. Dans ce cas-ci, je pense que nous avons corrigé les Français dans leur propre intérêt. Comme dans la Bible. C'est une bonne finale.